Alors là, c'est la rentrée. Et il parle déjà des JO de Paris 2024. Alors les JO, pourquoi pas? Mais c'est le à Paris où j'ai pas confiance. Ah ben sur le papier, y'a rien qui va. Anne Hidalgo, elle veut faire nager des athlètes dans la Seine. Alors petit rappel, la Seine, c'est les égouts de Paris depuis le 19e siècle. Ça fait plus de 100 ans qu'on y balance du desktop, des eaux usées, des Vélib. Ah mais dans la Seine, y'a tout sauf de l'eau. Si tu bois la tasse, tu perds la vue, t'as un bras qui tombe. Tu fais quoi après? Tu t'inscris au handisport, c'est ça? Ah non mais je pose la question. Et tu vois, les JO, c'est dans moins d'un an. Et apparemment, il manque encore des stades, des logements. Alors les amis, je suis arrivé à Paris en 2018. Et le trottoir d'en face de chez moi, il est toujours en travaux. Ah mais à Paris, pour changer une ampoule dans un lampadaire, il faut 3 ans. Mais à ce rythme-là, les athlètes, ils vont chanter la Marseillaise sur des palettes au parking du Carrefour d'ici les Moulineaux. Là, le métro à Paris, il y a des câbles électriques qui pendent, il y a des retards, il y a des trains annulés tous les jours. Donc à l'heure qu'il est, on n'arrive pas à transporter dignement 4 millions de personnes par jour. Et vous, là, vous voulez nous rajouter 7 millions de personnes dans les transports pendant un mois? Ça va coincer. Ah mais des gens vont décéder asphyxiés sous les selles d'un touriste allemand dans le RER B. C'est pas ça qu'on veut. De toute façon, c'est JO 2024. L'engouement est pas le même. Il y a 4 Français sur 5 qui s'en tapent complètement. Et même le maire adjoint de Paris connaît pas les dates. Vous connaissez pas la date des JO? Ah, je les ai pas là. C'est fin juillet, voilà. Ah ben je déconne pas. En ce moment, les seuls Français que ça intéresse, c'est les Parisiens qui vont louer leurs 9 mètres carrés pour 6 000 euros la semaine.